Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'algorithme de Davis-Putnam Lodgman et Loveland, ou algorithme DPLL. C'est un algorithme que vous avez peut-être déjà vu si vous avez suivi le cours d'outils logiques en L2 l'année dernière. Et c'est un algorithme qui est essentiellement un raffinement de la recherche de modèles par simplification. Ça va vraiment procéder de la même idée, mais il va y avoir un raffinement sur la façon dont on choisit les littoraux sur lesquels on simplifie, et on va aussi éviter certaines branches de choix. C'est-à-dire qu'on va faire des choix sur lesquels on ne reviendra pas en arrière pour essayer une autre branche par la suite. Donc voilà d'abord un exemple de recherche de modèles par simplification. Pour rappel, c'est on travaille sur un ensemble de clauses et petit à petit on va essayer de le simplifier jusqu'à trouver l'ensemble vide. Auquel cas on dit que c'est un succès. On peut chercher de manière non dénommée, on peut se tromper un peu de branche. Et si on rencontre une clause vide à l'intérieur, c'est un échec. Il faut revenir en arrière et essayer une autre branche. Donc dans cet exemple, si par exemple j'essaye de simplifier mon ensemble par le littéral R, ça simplifie plutôt bien parce que ça supprime les deux dernières clauses et ça simplifie la deuxième clause en retirant non R. Je me retrouve avec cet ensemble de clauses-là. Si j'essaye de simplifier par le littéral P, ça se passe vraiment très bien ici, ça supprime ces deux clauses, donc j'ai l'ensemble vide qui est un succès. Si j'avais fait de moins bons choix, par exemple essayer non R ici à la racine, ça aurait supprimé la deuxième clause et on aurait gardé la première, simplifié la troisième en gardant que Q et vidé la quatrième, c'est-à-dire que j'obtiens la clause vide ici. Ça, c'est un échec, c'est pas une bonne branche, il faut revenir en arrière, essayer autre chose. Par exemple aussi ici, si j'avais essayé le littéral non P, de simplifier cet ensemble par non P, bah dans ces deux clauses-là, ça retire le littéral P et je me retrouve avec l'ensemble qui contient la clause avec que non Q et l'ensemble qui contient et la clause qui contient que Q. Et là, quel que soit le choix que je fasse, Q ou non Q, je vais me retrouver avec la clause vide à l'intérieur, ça va être des échecs. Alors l'idée de l'algorithme DPLL, c'est que ces deux cas-là, en fait, ce choix de R là-haut et le choix de P là-dessous, ce sont des bons choix. Pourquoi? Alors R est unitaire. C'est-à-dire que la clause qui ne contient que le littéral R apparaît dans mon ensemble. Et ce qu'on voit ici à gauche, c'est que si j'avais choisi de simplifier par non R, eh bien puisque j'ai la clause qui ne contient que R, forcément je vais avoir la clause vide ici. Donc c'est sûr que cette branche-là va atterrir dans un échec. Donc ce n'est pas la peine de l'explorer. On va se contenter d'explorer la simplification par R. Jamais besoin de revenir en arrière sur cette décision. L'autre aspect, c'est que ici, le littéral P est pur parce que son dual, ici c'est non P, si j'avais dit non P ici, ça aurait été P, bref, la négation sur le littéral n'apparaît dans aucune clause. Ce qui fait que si j'avais essayé de simplifier par non P, qu'est-ce que j'aurais eu? Eh bien, j'aurais eu exactement les autres clauses, ici il n'y en a pas, mais les autres clauses où P n'apparaissait pas auraient été recopiées, mais en plus, ici, avec non P, j'ai aussi les clauses où il y avait P et où j'ai supprimé P. Et essentiellement, ça, c'est plus dur à montrer satisfiable que la branche de droite, ça se vérifie bien ici, ça, c'est plus dur à montrer satisfiable que ça, en l'occurrence, c'est pas satisfiable. Ce qui se produit en général, c'est que si L est un littéral pur et que je simplifie par le dual, le L bar, eh ben, je vais avoir un ensemble de clauses résultant qui va être plus difficile à montrer satisfiable que celui à droite. C'est-à-dire que si celui de gauche est satisfiable, celui de droite est forcément satisfiable aussi, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc encore une fois, quand j'ai un littéral pur, je peux me contenter d'explorer juste la branche où je simplifie par ce littéral. Il n'y aura jamais besoin de revenir en arrière sur ce choix. Donc, pour récapituler, si j'ai un ensemble de clauses S et un littéral L, on va dire que L, le littéral, est unitaire dans l'ensemble de clauses, sous-entendu, si la clause qui ne contient que ce littéral apparaît dans mon ensemble de clauses. Et L est pure si, pour toutes les clauses de S, le littéral dual n'apparaît pas dans la clause. Ça mène à cette idée très utile. On va simplifier en priorité par les littéraux L qui sont unitaires ou purs, et on ne reviendra jamais en arrière sur ce choix, c'est-à-dire on ne cherchera pas à simplifier par leur dual. Si jamais il y a un échec, eh ben tant pis, c'est qu'il n'y avait pas moyen de s'en tirer avec ce choix-là. Voyons un exemple sur le même ensemble de clauses. Il y a beaucoup d'autres exemples dans les notes de cours, donc je vous encourage à les lire, mais voici un exemple, l'exemple de tout à l'heure.
On avait dit R est unitaire. Effectivement, j'ai ici une clause qui ne contient que R. Quand je fais la simplification par R, je me retrouve avec ce nouvel ensemble de clauses et je ne vais pas explorer par la négation de R parce que c'est unitaire. Donc, je ne reviens pas en arrière sur ce choix. De la même manière, dans cet ensemble de clauses ici, P est pur. Eh bien, je ne vais pas revenir en arrière sur le choix et essayer de non-P. Je sais que quoi qu'il arrive ici, je vais rester sur ce choix-là. On peut noter que P était aussi pur au début. Bon, c'est pas grave. On va choisir par exemple R unitaire en premier. Ça donne le pseudocode suivant, qui ressemble beaucoup au pseudocode pour la recherche de modèles par simplification. Les deux premiers cas sont les mêmes. Donc si j'ai l'ensemble vide où il n'y a aucune clause, je peux retourner vrai, c'est bon, c'est satisfiable. Si mon ensemble contient la clause vide, alors je retourne faux, c'est pas satisfiable. Maintenant, voici les deux raffinements. Donc si j'ai un littéral qui est unitaire, c'est-à-dire que la clause qui ne contient que ce littéral apparaît dans mon ensemble, alors vous voyez qu'ici, il n'y a pas de branchement, il n'y a pas d'appel à la fonction or. Je retourne le résultat de tester est-ce que l'ensemble où j'ai simplifié f par l est satisfiable ou pas. Je ne reviendrai pas en arrière sur ce choix. Ensuite, ben, si on ne trouve pas de littéral unitaire, on va regarder les littéraux purs. Donc, est-ce que c'est le cas que le dual de l n'apparaît pas dans mon ensemble de clauses? Si c'est le cas, c'est-à-dire l est pur, alors de la même manière, je vais simplifier f par l et voir si ça c'est satisfiable. Et je ne reviendrai pas en arrière sur ce choix. Alors si ces deux cas-là ne se produisent pas, si je n'ai pas de littéral unitaire et je n'ai pas de littéral pur, dans ce cas-là, on revient dans l'algorithme de recherche par simplification habituel, c'est-à-dire qu'on va choisir une proposition, on va essayer de simplifier par cette proposition, et si ça ne marche pas, on va essayer de simplifier par la négation de cette proposition. Et donc là, il y a vraiment des fois des retours en arrière, si ça n'a pas marché d'explorer cette branche. La première branche, ben on va essayer d'explorer la seconde et ainsi de suite. C'est ce qui décrit un arbre de recherche. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les arbres de recherche, dans le cas de DPLL, quand on repère qu'il y a des littéraux unitaires ou purs, eh ben, il n'y a pas de branchement. C'est un arbre qui est juste une ligne verticale comme ça, où on ne branche pas, on reste sur ce choix.